Dans l'anniversaire de la semaine avec Gérald, Olga, Mireille et Patrick en invité, et Belmondo, père et fils. Dans ce film, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ces moments importants de sa vie. Paul Belmondo a 60 ans, on vous recommande ce documentaire formidable, où il emmène son papa sur les lieux de tournage, l'homme de Rio, il tient l'enfant gâté, à Rio de Janeiro, à Saint-Brice-sous-Forêt. Donc ce personnage de cascadeur et de comédien, il naît ici. Ici, voilà. Ici, là. Sur cette avenue, sur Copacabana. Voilà, voilà. Bébel, irrésistible, magnifique, avec, pour continuer, Prokofiev chez Lionel Esparza. Allez, c'est les anniversaires de la semaine, avec le 23 avril, Turner ou Charlie Temple, Prokofiev ou Jean-François Stévenin, Lee Major, Michel Leeb, Michael Moore, et donc Paul Belmondo, qui a 60 ans et qu'on salue ici. On adore son père, on adore les bébelles, et ici, ça se passe bien. On est en bonne compagnie. Barbara Streisand face à Burt Bacharach, qui vient de nous quitter, le grand Burt. Bon anniversaire aux natives et natifs du 24 avril. Saint-Vincent de Paul, Mano Solo, Dick River, Charlie McLean, bientôt 90 ans. Barbara Streisand, Christine O'Crinte, Véronique Sanson, Jean-Paul Gaultier, notamment Close to You, chanté à deux voix. Magnifique. Et puis ici, Véronique Sanson, avec un de ses plus grands titres, Ma Révérence. Magnifique, mais on n'a que 2 minutes 20 alors. On enchaîne avec une autre grande voix, celle d'Ella Fitzgerald chez Alex Dutille. Bon anniversaire à Albert Durso, Ella Fitzgerald, Bertrand Tavernier notamment. Et puis Jean Carmé, Al Pacino, Björn Ulvaeus ou Talia Shire. Et puis Dominique Blanc, bien sûr. Et puis ici, Jean Carmé, irrésistible face à Pierre Richard et Gérard Depardieu. Cher Francis Weber, c'est formidable. Et on se quitte avec Abba. Et on se dit à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.